Oh là 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 là! On pousse le cochon! On pousse le cochon! Hey, salut à toi, jeune clasher, c'est Cinematic. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter un deck qui vous permettra d'atteindre vos objectifs, quel que soit votre nombre de trophées et votre arène. Donc voilà, si vous voulez venir, enfin, monter plutôt à 6300 trophées, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Alors, pourquoi j'ai mis minimum 1000 TR? Parce que c'est possible de modifier le deck que je veux vous montrer et l'adapter à votre arène. Donc, il vous suffira de soit me le dire dans les commentaires ou rejoindre le serveur Discord. Et voilà, c'est simple, comme bonjour. Voilà. Donc maintenant que j'ai tout dit, petit récap, hein, vous connaissez déjà, je vous montre un peu mon profil. Je suis redescendu pour cette saison à 5 à 6. Je suis remonté un peu et voilà. Donc désolé aussi pour la qualité audio, je suis pas chez moi, je suis à l'extérieur. Donc voilà, je vous fais quand même des vidéos même en étant en vacances. Donc nos soucis. Donc voici le deck en question. C'est du Electro Giant, Electro Géant. C'est un deck même en ayant de mauvais placements. Vous pouvez faire une remontada, un retournement de situation. Je veux essayer de vous donner un maximum d'astuces dans les commentaires. Mais si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou sur le serveur Discord. Donc voilà. Alors, j'ai dit, même en ayant de mauvais placements, vous allez pouvoir rebondir et faire des retournements de situation. Il faut que je corrige cette phrase parce que sinon, il y en a beaucoup qui vont croire qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi. Et c'est pas ce qu'on veut. Allez, vous pouvez faire une erreur comme ça, mais vous amusez à faire 100 000 erreurs pendant la game. Ça va être compliqué, les gars. Franchement, vous allez vous faire éclater. Inatix ne peut rien pour vous, hein. faut pas qu'il... Il a pas tornade? Ok, super. Je pense qu'on peut... C'est quoi? C'est du... non, dans le bridge... Oh, c'est bien joué, ça. C'est bien joué. On va mettre une petite cage. Il a tapé un peu, c'est pas grave. On essaie de savoir ce qu'il a dans ses mains. Ouais, je l'ai déjà dit. Ah, ça, c'est le... Attendez. Voilà, super. Super, en plus, la cage, là, il va sortir de sa cage. Il va frapper, enfin il va taper. Du coup là je pense que je vais mettre le prince ténébreux pour... Voilà, pour... Ah il a quand même focus... Il a quand même focus le Giant électrique. Le Giant... bref, c'est pas important son nom, hein, ma foi. Ouais, si on arrive à mettre des coups, des patates avec le bombardier... Ouais, c'est toujours... Ouais, c'est pas négligeable, hein. Une petite patate. Est-ce qu'il a déjà son... Un électro, pas son électro, son comment ça s'appelle, son archi magique, je sais pas, on va mettre électro fond de map. De toute façon, s'il l'a, on va mettre la cage. Je vois du tout pas c'est quoi comme deck. Je vois du tout pas. On va mettre la cage goblin, ça permet de franchement de bien tanker pour faire une contre-attaque. On va faire ça comme ça. J'ai presque envie de foudre, franchement. J'ai vraiment hésité. Mais vous pouvez pas savoir à quel point j'ai hésité. Allez, on va mettre Electro Giant fond de map. De toute façon, il a mis... on est en x2. En plus, il a mis Tesla et... On va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Ah non, mauvais positionnement du bombardier. Il va prendre des patates. Il va prendre des patates pour rien. Peut-être qu'on va prendre des patates. Ah non, non, non. Il y a un bon décal sur le... Ok. Alors là... Ça, je pense pas que j'aurais fait ça. À sa place, j'aurais pas fait ça. Les gars, on va tenter. On va tenter de mettre deux Electro Giant. Ça, j'ai jamais fait. C'est un deck à 4.5. Je sais pas si je pourrais mettre la foudre. Par contre, là, oui. Oui, le bombardier. Le bombardier qui fait le taf. On a l'Electro Dragon et l'Electro Géant qui font le taf aussi. Comme je vous l'ai dit, il faut jouer de la façon assez tempo pour éclater votre adversaire. Là, il va essayer de mettre l'archer magique. Il va essayer de mettre la totale. Il va essayer de mettre tout ce qu'il veut. Mais là, il est dans la mouise. À moins qu'il est gel ou quelque chose comme ça. Donc, on a gagné. Franchement, super game. Comme vous l'aurez vu, j'ai utilisé... Bah, en fait, c'est lui qui a causé sa défaite. Puisqu'il a mis la foreuse qui a fait... qui a détourné mon électro géant de son objectif. Du coup, moi, j'ai pu surenchérir, appuyer mon push, envoyer un TGV, et là, je l'ai écrasé. Si je peux vous donner un conseil concernant le bombardier, j'étais en train de vous donner un conseil, c'est très mal poli, à moins qu'il mette BDF.
J'allais vous donner un conseil. C'est bon. Alors, le bombardier, il va nous servir à attraper les tours en face. Enfin, les bâtiments plutôt. Vous allez le mettre du côté de la rivière. Après, c'est une règle un peu... J'ai pas envie de dire... Ouais, générale plutôt. Parce que vous allez pas pouvoir attraper toutes les tours. C'est vraiment si l'adversaire il a canon ou bien s'il a cage goblin, etc. En fait, c'est vraiment s'il fait un mauvais positionnement, vous allez pouvoir attraper son bâtiment qui se trouve de l'autre côté. Voilà. Voilà, voilà. Bon, là, il y a un placement pour éviter de prendre un coup. Mais c'est assez compliqué, les gars. Je suis sur PC. C'est vraiment chaud. Attendez. Je pense qu'on va... On va mettre foudre, hein. On va mettre foudre. Ouais. Je pense... Oh ! Ah ouais, ça cycle vraiment très, 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 très bien de son côté. Mais attendez, je suis bête, c'est du 2.6. C'est du 2.6, pour moi c'est quand même un hard counter, puisqu'il a un deck qui cycle plus rapidement. Après vous allez me dire, j'ai la... Ok. On va faire ça comme ça. Si mes BDF, en plus il y a les dégâts de zone du... Du bombardier, on va se prendre un coup quand même. On pouvait pas aller les gars, on peut pas en contre. Je pense qu'on va tout rassembler. Ah, j'ai tout rassemblé un peu trop tôt. Je pensais qu'il allait mettre... Allez, bon, bah, c'est bien joué. C'est bien joué. En plus, il a déjà le cochon. Je me suis fait un peu hard cycle. Ah, il est pas trop tard. Alors, moi, est-ce que je mette l'électro en défense? Allez, on va tester un truc. Allons voir comment ça fonctionne, son passif. Bah, je suis déçu, hein. Je suis déçu du passif, hein. Ok, il a mis BDF. Il a mis BDF. On va mettre Prince Ténébreux. On va rassembler tout le monde au milieu. Voilà, la BDF qui fait le taf. La BDF fait le taf, mais il fait un taf mais monstrueux. Oh là 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 là! On pousse le cochon! On pousse le cochon! C'est ce qu'on veut! Là, il faut qu'on mette en PLS. On va mettre le bombardier. Super. 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 Il y a le gobelin qui tankait. Si on arrive à mettre un petit coup. Ok, non, même pas. Allez, on repart sous l'électro géant. Regarde un peu mes placements. J'essaie de pré-shot son. Oh, cochon. Remonte. Ah là là, c'est pas passé, cette fois-ci c'est pas passé. J'essaie de mettre le cochon entre le... Attendez, là on va mettre... J'essaie de mettre le cochon, en fait, entre l'électro... Voilà, super. Bon, je suis un peu déçu parce qu'en fait j'essaie de faire un placement pour mettre l'électro géant entre le cochon... Et le bâtiment. Du coup, il aurait poussé vers le haut le cochon. Et comme ça, ma tour aurait eu le temps de taper dessus. Et voilà. Bon, il y a des placements qui sont un peu compliqués. Je vous les montre. Après une semaine, je ne les maîtrise pas encore. Mais c'est mon placement. Hein. Je pense que j'ai jamais vu ça dans le YouTube game. J'ai jamais vu ça. Si vous l'avez déjà vu, pourquoi pas. Vous me le dites, voilà, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais vu ce placement-là. J'essaie de le faire dès que je peux quand je joue Electro Cage. Et voilà, je vous le donne. C'est gratuit, allez-y. Alors, je sais pas encore combien de games qu'on va se faire. En tout cas, on est déjà sur la troisième game. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire comme astuce? Bon, allez, je vais mettre ça comme ça. Ah non, ben voilà, erreur de ma part. Parce que là, si c'est du ballon ou du molosse, voilà. Voilà, grosse erreur de ma part. On peut déjà dire GG Wellplay. On a perdu. franchement, j'ai pas bien joué sur celle-ci. Ouais, là il tente, hein. Il va vraiment tenter le... Alors, on va tenter quelque chose aussi. On va tenter quelque chose. Ouais. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, ça fonctionne. J'ai un peu flippé, ça va. Donc du coup, on va garder notre dragon électrique. Pas dragon électrique.
notre dragon de l'enfer pour le Molos. Éventuellement, on va dévier le ballon avec la cage. J'ai vu que ça gère bien, en fait. Hein. Alors, s'il joue Molos, de toute façon, il va jouer Molos. Il va jouer Molos. De toute façon, je suis en train de prendre de l'avance. C'est pas mal. Alors, c'est pas le Molos le plus important, c'est le ballon. C'est le ballon qu'il faut arrêter. Donc, on va faire ça comme ça. Voilà. Voilà. C'est pas le Molos le plus important. Ouais, c'est un gros match-up, ça. C'est un gros match-up. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Ah, de peu. Est-ce qu'on peut essayer de mettre le bombardier pour aller... Ah, il est malin. Il est malin. Du coup, on va mettre l'électro-giant au pont. On s'en fiche un peu de... Ah, c'est dommage. Je savais pas qu'il avait ça, moi. Je savais pas. Franchement, je savais pas. Là, on va... Franchement, les gars, quand c'est comme ça, on va tenter... On va vraiment tenter On va vraiment tenter un 3 couronnes direct. Parce que là, on pourra rien faire avec son combo Molos-Ballon. Et là, c'est la GG win. Voilà, donc je pense que... Franchement, je vous ai donné un maximum de conseils pour faire que du sale en face. C'est vrai qu'au début... c'est pour ça que je vous dis qu'il faut jouer vraiment tempo, ne pas vous précipiter au début de la game, parce que j'ai joué sous la ligne de gauche mon dragon de l'enfer, et ça aurait pu me coûter la victoire. Donc là, je me suis dit que c'est impossible pour moi de défendre. Enfin bon, ça aurait été possible de défendre, mais là, non. Ça m'aurait demandé vraiment trop d'élection pour défendre, parce que j'aurais été obligé de mettre la cage, de mettre la tornade, de mettre soit l'électro-dragon, soit le dragon de l'enfer. Enfin voilà, donc du coup, le temps que je défende, lui, il peut encore surenchérir, appuyer sur son push. Donc ça aurait été trop compliqué. Donc franchement, dans ces situations-là, vaut mieux défendre un minimum et préparer un push 3 couronnes. De toute façon, lui aussi, il avait pas grand-chose pour défendre à part... le dragon de l'enfer et son cimetière, la pierre tombale. Donc vraiment, avec l'électro dragon, il y a trop d'électro dans ce deck. Avec l'électro géant, avec son passif, moi j'appelle ça le passif, hein, la zone électrique qu'il a autour de lui, ça nous aide. Franchement, sa pierre tombale ne servait strictement à rien. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous ceux qui la regardent jusqu'à la fin. Mettez hashtag électro dans les commentaires, tous ceux qui sont arrivés jusque là. Franchement, c'était tout pour moi, c'était Zenatix. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, si vous êtes en dessous plutôt, parce que ce deck là, ça correspond plutôt à Arène. Attendez, je l'ai noté quelque part. C'est plutôt pour les gens qui sont à Arène 11, donc à 3400 trophées, quelque chose comme ça. Mais si vous êtes en dessous, je me ferai un plaisir de vous aider à l'adapter à votre arène, comme je l'ai dit au début. Donc voilà, merci. Beaucoup d'amour pour vous, les gars. Merci pour vous. Sans vous, je suis pas là. Et n'hésitez pas à partager, à mettre un j'aime et à commenter la vidéo. Et à rejoindre le serveur Discord parce qu'on est les meilleurs. Et je suis là pour vous rendre meilleur. Allez, c'était tout pour moi, c'était Zenatix. Oh yeah!